Bonjour, c'est Gray Fox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum. On est en Xelor au retrait PA, Sacri Air et Nirips à feu. On joue contre Yop et K Xelor et on a une cote de 4300, 4218, 4343. C'est mon premier combat en Sacri Air, les amis. Et c'est aussi mon premier combat avec cette compo. Bon, c'est un peu la compo interdite, hein, je reconnais. Le Xel Sacri Eni, voilà. Mais bon, si vous voulez, autant faire les choses jusqu'au bout. Donc en face, on a du retrait PA. Est-ce qu'on a des effets déclenchés? Pre-tech, Phalanster sur le Xel. Non, sur le Yop. Le Yop est en Phalanster. Ok, sinon on a l'air d'avoir un Xel plutôt retrait PA. Il a mis des grosses esquives en face, il a plutôt bien fait. Alors on va essayer de jouer relativement vite si on y arrive. Tac. En vrai, je pourrais. Bon, déjà, je vais contrer flou. Je pourrais triple ralin. J'ai une belle brochette là. Let's go. Ah, j'ai pas mis un primo. Bon, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Je suis pas sûr. Je vais me mettre ici avec le Xel. Bonjour. Ça commence, hein. Le souci, c'est que j'ai plus d'érosion. Alors, du coup, qu'est-ce que je fais avec mon Sacri Air? Du coup, je mets pas de maîtrise d'armes parce que je suis en Illisael. On va voir ce qu'on peut tester. Oh, je suis tellement hype. Bon, je voudrais faire. J'ai plein de modes de prévu sur Sacri. Idéalement, ce que je voudrais, c'est un mode terre en Musamune. Le problème, c'est que pour ça, je vais avoir besoin. Je vais me faire une perfusion directe. Tac. Et en vrai. Je vais caler mon épée par là. Alors, c'était l'épée que je voulais mettre. J'ai oublié de passer le tour. C'est un peu unlucky. Tranquille. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Alors, ça y va. Alors, par contre, j'ai pas le son. Pourtant, je l'ai mis, hein. Je suis sûr de l'avoir mis. Donc, j'ai un peu le seum, mais tranquille. On a la musique qui est sur un autre compte, tout va bien. Donc bon, le roublard, il a, les Caflis, pardon, il a un peu rush. Évidemment, il est venu me caler un peu d'héros sur le Xel. Je vais choisir de pas le debuff. On va y aller comme ça. Je vais me maîtrise d'armes sur les nids. Et je vais me mettre un peu en retrait comme ça. Je vais plutôt choisir de, pardon, de soigner le Xel. Bon, je suis un peu perturbé. Parce que là, je teste un nouveau setup en fait parce que j'ai un autre compte qui est ouvert à côté. Et je voulais voir juste comment se comporte le son. C'est toujours un peu compliqué le son sur Dofus. Hein. Là, j'ai l'audio activé sur ce compte. Normalement, vous auriez dû avoir la musique du colis et le son des sorts. Malheureusement, vous ne les avez pas. C'est un peu triste. Bon, c'est un Xel full retrait en face. Et Kayup, ouais, ça va peut-être essayer de me mettre des petits one-shots par-ci par-là. Il a des modes apparemment très solides. Je regarde un peu les raids. Je pense que je vais y aller sur les Caflip qui a l'air de vouloir un peu plus s'exposer. On va faire comme ça. Hop. Qu'est-ce que je fais? Tac. On va mettre ça là. On va mettre ça là. Hop. Et je vais lui caler. Petite ébène. What? Alors c'est. Oui j'avais pas les PM en fait, my bad. Les PA. J'oublie toujours que c'est 3 PA le cadran, je sais pas pourquoi. C'est pas grave. Je suis quand même plutôt satisfait de mon move. Le Yap il est un peu à l'autre bout du monde. Alors le Sacri. Bon le Sacri c'était un misclick hein, qui se voit là, il aurait dû être un peu ailleurs. Du coup le Xel il est érodé là. Je vais essayer de le sacrifier instant. C'est pas grave, j'ai des sorts de mobilité sur le Sacri. Alors j'ai jamais regardé les sorts exactement. Il continue d'y aller à fond sur mon Xel. Il me veut vraiment du mal. Hein. Je pense que je vais directement. Pardon, projection. Je vais sacrifice le Xel. Et. Je vais venir là. Je vais condensation, tout ça.
Et on est parti à fond sur les K-flips. Comme ça, je pense que c'est pas trop mal. Alors, il faudrait que je revoie comment optimiser mes tours de DPS avec les sorts. Moi, j'ai pas... mon épée, du coup, elle est un peu au bout du monde. Je savais pas par quel endroit on allait se barrer. J'aurais pu détacler l'ennemi avec un PM de plus, c'est un peu dommage. Bon, les K-flips a pris un peu une sauce. J'ai pas vérifié si Désolation ne tapait pas les alliés. Ah, mais si, je me suis tapé en fait quand j'ai mis les Désolations en zone là. Eh oui, je me suis complètement tapé. Alors ça, c'était pas forcément opti, ça. Hein. Non, mais c'est mon premier collier en sacrifice R, hein, n'ayez pas peur. Alors, ok, il y va. Bon, il est... J'ai pas d'héros, hein, c'est vraiment le souci de ma compo. Donc je pense que j'ai à peu près aucune chance contre la sienne, mais bon, tranquille. Je vais mettre un solidarité sur le sacré, en vrai. On va lui mettre régène. Je vais venir chercher... Je crois que j'aurais bien aimé chercher les zones, mais... Je vais les chercher comme ça, je pense, plutôt. Hein. Tac, tac. Je vais le prêve. On va flamish les cas. Qu'est-ce qu'on a après? C'est le sacri... Le xel, pardon. Je vais me mettre là. Bon, le Xel, il va pouvoir se régaler sur le retrait. Je suis un peu inquiet en vrai. Hein. Sans érosion, je me sens assez mal quand même contre des trucs aussi tanky. Alors que eux m'érodent à fond. Bon, je prends encore du retrait, mais ça va, c'est gérable pour l'instant. C'est le Xel qui le prend surtout. Bon, le Xel, c'est pas le plus gros roxeur. Bon, mon sacré avait vraiment pris cher. Après, là, le but, c'est presque, on va dire, que... Oh, attendez, je vais essayer de faire un vrai tour avant de raconter ma life. Je vais venir chercher... Ok, je peux mettre ça comme... Ah, j'ai mal joué. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Bon, je fais un tour de merde encore. J'avais bien mieux à faire. On va mettre ça comme ça. Hop. Et là, je lui cale mon ébène. Je vais aller tacler le Xel. Ouais, c'était... Bon, là, je suis focus sur autre chose. En plus, ça me perturbe que le son marche pas. Bon, c'est pas grave. C'est un peu un combat de test. Alors, c'est pas évident de... Je trouve qu'il n'y a pas forcément beaucoup de sorts de DPS intéressants. Bon, ça, c'est du dégât de zone. Ça, ok, c'est le machin qui tabasse avec la souffrance. Ça, c'est du mouvement. L'assaut, c'est changement de position. Ouais. Ok, il commence à m'éroder. Alors le vol de vie, c'est celui-là, hein, c'est le désolation. Ok, donc là par contre ça peut être clairement intéressant. Parce que je peux venir là. Je peux faire une condensation. Comme ça. Et là pour le coup j'ai une belle zone de régène. Tac. Tac, je pourrais même éventuellement jouer avec... Là, si je mets de la furie, je lui mets pas mal de dégâts, mais je mets plus cher avec du double assaut, apparemment. Et je vais me faire une mutilation, hop, en restant en cac. Ok, c'est pas trop mal. Faudra pas que j'oublie de lancer le pack de sang à mon tour ensuite. Du coup, les cas, 1700 PV. Contre-coup, ok. Qui me remet de l'héros. Je choisis, hein. En fait, le pari, si vous voulez, c'est que j'ai une compo sans érosion, mais que j'ai des outils de fou pour temporiser les dégâts que je prends. Enfin, j'ai un ennemi qui soigne, j'ai un Xel qui met du retrait éventuellement. Bon, là, le Xel a pas trop joué, puis j'ai un peu fait de la merde, mais j'ai un sacré qui tank, qui sacrifie. Et l'idée, c'est un peu de forcer l'érosion sur le sacrieur. En vrai. On va faire ça comme ça. On va mettre des PM au sacri. Ça sert toujours d'avoir des PM sur un sacri. On va tabasser les cas. Et voilà, donc l'idée c'est un peu de forcer à laisser passer l'érosion et après de pouvoir lâcher du gros, de la grosse punition en fait. C'est un peu le concept, je vais y aller comme ça, tac tac. En vrai je vais me mettre ici pour être sûr de ne pas être embêté.
Bon, le Xel est full PV érodé, je vais soigner le Sacri, je pourrais presque ne pas le soigner pour qu'il tape plus, mais... En vrai, là, tout est full PV, hein. On va passer avec le lapin. Bon, pour l'instant, j'ai pas joué avec mon Xel, j'aurais bien aimé pouvoir booster les pétrifs, mais comme son Xel, il a full retrait le mien tout le temps. Des synchros, ok. Je suis étonné qu'il ramène son cadran que maintenant, je me serais attendu à l'avoir un peu plus tôt dans le fight. Il debuff mon Xel, il veut tuer le Xel je pense. Hein. Là je risque de me faire un peu all-in par le Yop, je pense que j'ai tout intérêt à full roll le Yop. Si je fais un rollback, il va où le Yop? Il va là, ok. Alors malheureusement je vais avoir du mal à faire un rollback je pense. On va voir. Ok. Je voudrais juste que le Yop me one-shot pas en fait, hein, c'est le seul plan. Je vais juste lui mettre une horloge, j'ai pas grand chose de plus à faire. Ça aurait été bien que je puisse replacer peut-être mon paradoxe. Ok, il prend moins 3, je prends un peu de vol de vie, c'est ok. Là, le danger c'était vraiment que je me fasse détruire, hein, comme il m'a debuff mon sacrifice. Alors là, je perds le pack de sang à mon tour. Hein. Je commence un peu à m'y retrouver. Au début, je galérais un peu avec les sorts à relancer sur le Sacrieur. Ça va un peu mieux. Alors, précis. Il a la belle zone d'érosion là. Ok, il continue sur les boucliers. Bah, du coup, ça me met un peu au fond parce que n'ayant pas d'érosion, moi, ces boucliers, ça me détruit un peu. Hein. Alors, une fois de plus. Là, il y a les cas. En vrai, je pense que je vais juste projection. Je vais aller chercher à nouveau les zones. Tac, tac. Est-ce que je tape vraiment fort à Fury? Faut que je me refasse ça. Ah, j'ai oublié la mutilation. Je suis un bouffon de ouf. Ouais, gros misplay. Là, j'étais pas boosté. J'avais oublié. J'ai fait nimp. My bad. C'est juste ma faute, hein, il n'y a rien d'autre à dire là. Donc désolé pour ce fail. Je sais que ça doit être un peu frustrant pour ceux qui sont des joueurs sacrés, mais c'est vraiment mon premier combat en sacré R, hein. J'ai pas encore le réflexe sur les sorts et tout. Donc là je me fais encore détruire à l'érosion, c'est un peu relou. Il faudrait que j'arrive à passer un kill sur les K-flip. Il full tabasse mon Xel en permanence. J'ai pas tellement d'outils de temporisation, je vais pouvoir lui debuff l'héros du coup. Le fait que le Xel me débuffe un tour de sacrifice, ça me met un peu dans la sauce par rapport à la course à l'érosion. Faudrait aussi que je puisse péter son cadran parce que ça va lui donner des PA et du retrait en zone. Que je puisse remettre le mien également. On était 4. Ok, on va faire tech. Débuff héros. On va stimuler le sacri. Hop, je vais tenter un retrait PA ici. Je vais me mettre là. Full PV le Xel, hein. Mode silence, bon, j'ai passé du moins 1, j'ai toujours tout droit mon épée, c'était pas ouf. Bon, je m'attendais pas à tellement plus, mais bon. Il y a que le Yop qui a pas trop d'esquive, hein. Il a des grosses esquives sur Eka Xel, il y a juste le Yop qui a 51. Continue à râler mon Xel, je suis un peu surpris qu'il full râle le Xel, ça serait peut-être plus intéressant de full râle le Sacri en vrai. Hein. Là, il me floue. Ok. Bon, il fait des trucs, je dis pas, mais en vrai, moi je vais juste remettre mon cadran là. Faire momif. Lâcher un petit retrait ici. Je vais essayer de me barrer comme je peux. Bon, là, mon cadran est très bien placé. Le Yop qui est en retour de précis. 3 PA, du coup, bon, il a vraiment pris la totale hein, sur le retrait. Je pense que je vais pilori mon Xel, comme il se fait vraiment tabasser. Là, il est à distance. Pilori, ça fait éter indéplaçable 15% reste distance. Ça se débuffe avec un coup au cac, mais là ils vont avoir du mal à le placer. Mes sorts, du coup, bon, je les ai mal lancés au tour d'avant, mais là je suis ok sur les délais de relance, j'ai rien besoin de faire. Je suis en état mutilation, j'ai le pacte.
Il se fait une vita, du coup une vita qui est pas insane. On va faire ça. Hein. Hop, pilori sur mon Xelor. Comment je me détacle là? En vrai, je pense que je vais faire une épée. Une fulgurance. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Et on va y aller comme ça. Je vais essayer de casser un peu ses lignes de vue, de pas donner du téléfrag au Xel. Donc je l'embête un peu comme ça. Ok, c'est pas mal. Évidemment, j'ai une deuxième épée, celle qui avait pris un peu de retrait. Hein. On va rien dire. Je vais me barrer aussi pour pas lui donner une free frappe de Xel téléfrag sur mon ennemi. Bon, il y aura peut-être moyen de passer un kill sur les cas au bout d'un moment. Du coup, le Xel est pilori. Bon, je me counter un peu tout seul du coup. Hein. Je vais être un peu embêté sur les déplacements, mais. Bon, là, il se bouffe des PA pour me choper. C'est pas trop mal. Continue à Mero. Oh, même malgré le pilori, je prends quand même sacrément cher. Hein. C'est quand même assez violent. Bon, la synchro du Xel est au bout du monde, a priori, c'est pas trop une menace. Faudrait que je clear son cadran en vrai. Bon, ça va, il a pas pris le boost, il était pas en TLF, mais malgré tout. On va se détacler déjà. On va. Je sais même pas si ça vaut la peine que je me débuffe l'héros en vrai, je pense même pas. On va y aller comme ça. On va casser ici l'ébène. Tac tac. Je vais mettre DP à maman Xelor. Je vais essayer d'aller les bloquer un peu par là. Le lapin qui soigne le Xel, évidemment. Qu'est-ce qu'il joue ensuite, le Xel? Je vais essayer de casser la ligne de vue devant lui, même si ça sert un peu à rien, mais ça passera, on va dire. Bon, le Xel, lui, il est en 14 PA, il se régale. Moi, le mien, peut pas faire grand-chose. Après, je viens de mettre du téléfrag, là, donc si je peux juste avoir une ligne de vue sur les Kaflip ou sur le Yop, je pourrais mettre soit des dégâts, soit du retrait. S'il a des dégâts, mon Xel, il a un mode hybride OR. Je suis désolé que la timeline casse un peu la visibilité. Je sais que c'est un poil relou, mais ça va, on s'en sort. Si je rollback, je me debuff ou pas? En vrai, le rollback est pas dégueu. Hop. Je peux y aller comme ça en vrai. Bon, il me tacle. Mais est-ce que l'on le tuerait pas par hasard? En full tapant. Alors non, malheureusement. D'accord, donc là je viens de passer un Dofus Ébène intempestif. Mais tranquille. Je vais rester là. J'avais un doute sur le fait qu'il me taclait les Kaflip. Oh, 8 PV. J'aurais mis double ralentissement, je le tuais, je suis trop deg. Bon, de toute façon, je le finirai. Mais, ce que j'ai mis au sablier de Xel, j'aurais dû le mettre au ralentissement. Dégâts hauts, je l'aurais tué. C'est un peu sad. J'ai ma transpo. Est-ce qu'il va me finir lui? 4 PA. Il est R en vrai? Non. Il me finit pas. Moi, je vais pouvoir projection. Tac. Alors, je vais aller là. On va à nouveau projection ici. Je vais évidemment sacrifier mon Xelor. Juste le Xel. Hein, j'ai pas besoin de sacrifier autre chose. Oh, trop bien ça. Tac. 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 Ok, il me manquait un petit sort à 2 PA pour finir. Est-ce que je lui ai mis mon ébène? Oui, je lui ai mis mon ébène. Écoutez, c'est pas dégueu en vrai. Hein. Bon, par contre, le rage kit, ça se plaint de ma compo, ce que je peux comprendre, mais bon, on est en Coliseum, hein, les compos sont autorisés. Si vous voulez vous plaindre, c'est pas moi qui gère les compos autorisés et non en Coliseum. Ça, je suis d'accord qu'il y a un débat là-dessus, hein, franchement, mais si vous voulez, c'est pas moi qui gère ça. Donc on peut pas reprocher à un joueur d'utiliser quelque chose qui est autorisé par le jeu. Et par contre, il me fait la morale, puis il rage quitte. C'est vraiment pas élégant, quoi. Bon. Écoutez, c'était le premier colis du Sacrieur. Alors, je suis désolé que vous n'ayez pas eu le son des sorts. Hein. Moi, ça me perturbe un peu, personnellement. On va péter son truc, là. Tac. On va se booster pour pouvoir taper. Hop.
Mais ouais. Donc là, j'avais testé une nouvelle configuration avec le compte du Yop ouvert à côté, parce qu'en fait, mon plan, c'est de pouvoir sur le stream vous faire de la forge magie pendant la recherche de colis, parce que plus je vais monter en cote et plus les temps de recherche vont être longs. Donc là, je cherche un peu des setups si vous voulez. Ok, il a quand même passé son tour, j'ai l'impression. Vraiment, il me tacle vraiment, c'est abusé, ouais. On va y aller comme ça. Tac, tac. Bon, du coup, c'est de la merde dans le gameplay, mais. Qu'est-ce qu'il me dit? Dans mes souvenirs, tu te plaignais de ce genre de compo que tu joues. Visiblement, là, ça te pose pas de soucis puisque les piliers n'existent plus à skip. Bonne soirée. Je ne me suis absolument jamais plaint d'une compo choisie par un joueur. Ce serait d'ailleurs hypocrite. Car je joue souvent des compos top tier. Hop là! Non! Je raconte ma life et je ne joue pas! Il y avait moyen de voir des dingueries là en sacrilleur. Non! J'ai pas eu le temps. Ah, raconter sa life, les amis, en colis, quelle erreur! En revanche, j'ai souvent un avis critique assez salé sur la méta. Mais on ne peut pas faire de reproche à un joueur pour ses choix, mais on peut avoir une analyse constructive du jeu et de la méta. Ah, attention, hein, il faut pas mélanger tout et n'importe quoi. Hop, hop. Je crois que la formule consacrée, c'est hate the game, not the. Non, oui, hate the game, not the player. Tac. Cordialement. Je sens que si je me mets à jouer de toute façon du sacri Xel Eni, voilà, ça va devenir l'habitude hein, que je me fasse trash talk, mais on peut jamais reprocher à un joueur de vouloir exploiter telle ou telle chose proposée par un jeu. Il faut critiquer le jeu en fait, mais c'est jamais la faute du joueur. Le joueur, il a un univers stratégique restreint, il fait ses choix pour optimiser ce qu'il veut. Le but du PVP, c'est de faire ce qui est le plus fort en fait. C'est de choisir. Il y a à la fois choisir la compo la plus forte, ensuite choisir les stuffs les plus forts, et ensuite bah, essayer de bien les jouer. Mais tout ça fait partie du jeu. Moi je trouve que c'est aberrant, je le dis depuis. Je l'ai très souvent dit. Je trouve que c'est aberrant que le mode. Comment dire? Le PVP en compétition, donc sur les tournois, n'est pas le même que celui qu'on a au quotidien, quand on fait du Coliseum. Et ça, je trouve que c'est n'importe quoi. Je trouve que c'est un peu abusé qu'un jeu soi-disant e-sport ou je sais pas quoi ne propose pas la même méta, entre guillemets, pour les joueurs en compétition et pour ceux qui jouent au quotidien tous les jours. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est comme si au football, dans les clubs, vous n'aviez pas le même nombre de joueurs par équipe que dans les matchs et les tournois et les Coupes du Monde. Enfin, je sais pas, ça n'a aucun sens. Et j'ai toujours trouvé ça n'importe quoi qu'il y ait des restrictions qu'on ait en tournoi et qu'on n'ait pas en Coliseum. Donc il faut absolument uniformiser le PVP et mettre les mêmes restrictions en tournoi, en Coliseum. Et accessoirement, il ne devrait même pas y avoir besoin d'interdire des duos de classe ou je sais pas quoi. Tout ça veut dire qu'il y a des problèmes plus profonds. Il faut refaire. Il faut refaire les. Comment dire? Je suis désolé, je cherche un peu mes mots parce que en même temps je regarde le colis et tout. Il faut revoir l'équilibrage pour qu'on n'ait pas besoin de dire bah, tel compo est interdit, c'est trop fort. Si c'est trop fort, c'est qu'il y a des problèmes d'équilibrage à la base et toutes les classes devraient être équilibrées pour qu'on puisse tout jouer et que rien ne soit abusé. Mais s'il y a des choses qui sont plus fortes que d'autres, on ne peut pas jouer un joueur PVP qui essaie de gagner, de les jouer en fait. Ça n'a aucun sens. Voilà, écoutez, premier colis du coup.
Avec le Sacri-R, je vous avouerai que je suis assez. Comment dire? Je suis un petit peu embêté quand même qu'on n'ait pas d'érosion. Donc voilà, je le disais avant, j'aimerais bien virer les nids feu et mettre un nid à feu à la place pour avoir. Bon, du coup, j'aurai un bout de PA en moins, donc ça fera peut-être un peu moins rager les gens. Et j'aurai par contre de l'érosion. Donc ce sera plus intéressant. Et je pense que le mode terre sur Sacri-R est quand même mieux. Donc je vais essayer d'en faire un, mais avec Musamud, et du coup il faut que je me tape les quêtes Pandala et tout, donc c'est pas pour tout de suite, mais j'aimerais bien avoir un Sacri-Terre, même si le Sacri-R est quand même sympa, et je suis content de pouvoir le jouer. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter, j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, prenez soin de vous, et à bientôt.